Mais où est passée Charlène de Monaco? Depuis plusieurs semaines, si est seul que le prince Albert de Monaco honore ses engagements sur le rocher. De quoi nourrir les rumeurs. D'autant que le 10e anniversaire de mariage du couple se profile. Et si certains évoquaient des tensions entre les parents de Jacques et Gabriella, la raison de l'absence de Charlène est tout autre. Présente en Afrique du Sud depuis plusieurs semaines, elle a dû se faire opérer. Charlène de Monaco souffre actuellement d'une infection de la sphère orale, a rapporté un communiqué précisant que ce souci de santé l'empêche ainsi de voyager. Mais même à des milliers de kilomètres de son époux, la princesse a tenu à célébrer leurs noces d'étain en partageant une vidéo émouvante sur son compte Instagram, « Joyeux anniversaire Albert ». Merci pour ces bénédictions que sont nos merveilleux enfants. Dans un communiqué, Charlène de Monaco a expliqué être peinée de ne pas pouvoir être auprès du prince Albert II pour leur anniversaire de mariage, le 1er juillet prochain. Cette année marquera la première fois que je ne serai pas avec mon époux lors de notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile, et cela m'attriste, a-t-elle déclaré. Et de poursuivre au sujet de sa santé, cependant, Albert et moi n'avons eu d'autre choix que de suivre les conseils de l'équipe médicale, même si c'est extrêmement difficile. Il m'a été d'un soutien incroyable. En Afrique du Sud, elle garde le contact avec ses proches. Mes conversations quotidiennes avec Albert et mes enfants m'aident énormément à garder le moral, mais cela me manque d'être avec eux, continuait-elle. C'était important pour moi que ma famille me rende visite en Afrique du Sud. C'était merveilleux de les voir. Je suis impatiente de les retrouver. Pourquoi Charlène de Monaco est en Afrique du Sud? Pour rappel, la dernière apparition de Charlène de Monaco sur le rocher remonte au mois de janvier dernier. Il y a quelques semaines, l'ex-nageuse a quitté la principauté pour retourner en Afrique du Sud, son pays natal, pour la bonne cause. Là-bas, elle a participé à plusieurs missions pour lutter contre un véritable fléau, le braconnage. Sur son compte Instagram d'ailleurs, l'épouse du prince Albert II a partagé plusieurs clichés de ses sorties auprès des animaux. Mais tout ne cesse de pas dérouler comme prévu. Lors d'un voyage sur le continent africain dans le cadre d'une mission de conservation de la faune, la SAS princesse Charlène a contracté une infection orale qui ne lui permet pas de voyager, expliquait le palais il y a quelques semaines. Son absence remarquée n'a donc rien à voir avec les récents scandales de la couronne.